Virtual Man, bonjour. Battlefield 5 est gratuit sur PlayStation. Pendant tout le mois de mai, il fait partie des jeux du PlayStation Plus. Pour le télécharger, rien de plus compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur le PlayStation Store, ensuite de descendre tout en bas sur PlayStation Plus, et juste ici, on voit jeu du mois de mai, il vous suffit de cliquer sur Battlefield 5. Juste là, vous faites ajouter à la bibliothèque, OK, et ensuite télécharger, et le jeu va se télécharger tout simplement, juste ici. Comme vous pouvez voir, le jeu est en train de se télécharger. Le jeu est fini d'être téléchargé, testons ce Battlefield 5 sur PS4, c'est parti. Donc on va pouvoir découvrir ce jeu, on va faire un peu de multijoueur pour découvrir ça. Et il y a Battlefield 6 qui arrive dans quelques temps, qui est en préparation actuellement. Et je suis assez hype pour ce jeu, il me tarde de pouvoir le tester. C'est parti, nous spawnons sur la map, ça va être absolument incroyable ce qui va se passer. Je vais faire des kills et tout un truc de fou. Pas du tout, bien évidemment je découvre le jeu, je n'y ai jamais joué. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti, on est dans les champs, dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, on est dans le champ. Je sais pas où on va ni qu'est-ce que l'on fait. Ok, je peux venir avec toi, mec. Ok, allez, c'est parti, camarade, on y va. Youhouhou, let's go. Ok, on arrive sur le point F à 100 mètres. Un ennemi droit devant. Ok, on a touché un ennemi. Aïe, 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 j'ai pas envie de mourir. Aïe, c'est la mort du joueur français au revolver. Absolument incroyable. Ok, je me rends compte qu'en fait, la caméra là où je suis placé, c'est de la merde parce que je cache clairement. Je vais mettre plutôt là ce jeu. À gauche, je cache toute la minimap. Ennemi droit devant. Ah, les vieilles voitures rouges et tout, excellent. Ok, premier kill. Ok, en tout cas, le jeu est quand même vachement beau, vachement fluide, c'est stylé. Pour de la PS4, non, je suis étonné que ça marche aussi bien. Ok, on a un autre kill juste ici. Encore un autre kill, ok, on est sur un petit enchaînement là. C'est plutôt pas mal. On a un autre kill encore. Je viens de faire une petite série là les gars, je me suis gavé. Oh là. Non, dommage, il y avait deux mecs devant moi. Ok, c'est grave stylé, putain, j'ai réussi à faire pas mal de petits kills. Je pensais pas faire autant de kills dès le début. Ok, réapparition et squad, c'est parti. Il y a un ennemi juste devant nous. Nice, on a eu le kill. Mais c'est bien que j'entendais marcher, hey, je t'ai tué mon gars. En tout cas c'est gavé stylé d'être dans le monde de Seconde Guerre mondiale parce que autant, entre Première et Seconde Guerre mondiale, je suis quand même beaucoup plus fan de la Seconde que de la Première. Et c'est vrai que Première Guerre mondiale sur Battlefield 1, c'était stylé de voir vraiment dans les tranchées, tout ça, truc, etc. Autant là, la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est une période qui est vachement intéressante, qui est beaucoup plus stylée. Et donc pouvoir jouer à ça sur Battlefield, ça fait trop plaisir, voilà tout simplement. Je peux monter avec vous les gars. Allez, merci bien, yes. Il était sympa, il m'a attendu. Il aurait pu faire son crevard et passer devant, mais non, il m'a attendu. Usure de l'ennemi. Allez, petit trophée. Qu'est-ce qu'ils font? Mais non, on peut créer des tranchées. Oh, c'est excellent. Comment ils font ça? Oh putain, c'est quoi ça? Ok, on va ranger ça, les gars, on va se calmer. Ah, c'est peut-être ça, attends. Ah ouais, on peut construire des trucs. Nice. Putain, c'est gavé, si tu te crées tes petites tranchées tranquillement. Ah, le bâtard, il s'est allongé. Non! Bien joué à lui. C'est propre. Il s'est allongé, il m'a tué. Oh, le mec, il me sauve. Oh, mais incroyable ce que tu viens de faire. Il a cru qu'il allait me la mettre à l'envers, lui. Ah, mais ouais, mais 2v1, non, je peux pas faire. Les gars, je suis pas une machine, hein. Je peux pas tout faire, hein. 2v1, c'est pas facile. Ok, on va spawn avec eux. Ah non, les gars, attendez-moi. Une petite balade dans la forêt, ça fait du bien. Pour se ressourcer, c'est vachement cool, j'adore me balader dans les champs. Et dire que des vrais gens font ça, dire que là moi je fais le con, je rigole, etc, on est en vidéo, c'est vachement cool, mais dire qu'il y a des vrais gens qui ont vraiment fait la guerre et qui se sont battus, tu te rends compte? Holy fuck. Ok, le mec était nul, il m'a pas vu. J'ai pu lui mettre une petite balle dans la tête. Et moi, ce que je trouve encore plus incroyable avec les jeux vidéo, justement, c'est de pouvoir revivre, alors pas en réalité, bien évidemment, mais de pouvoir se mettre dans la peau et pouvoir revivre en quelque sorte un peu ce que nos ancêtres, etc., ont vu, ont vécu, ont fait. C'est absolument incroyable de pouvoir revivre ça. C'est-à-dire que nous, on rigole, etc., on meurt, on respawn, mais il y a des vrais gens qui sont morts, vraiment, en faisant la guerre, quoi. Allez, toi, tu meurs, tu m'as saoulé. Et malheureusement, c'est une défaite, les amis. 0-19, réapparition restante. Mais bon, première game, j'ai fait du 16-12. J'arrive à faire un score positif, donc c'est plutôt cool. Je suis pas trop rouillé sur le jeu, même si c'est ma première game que je fais. Je suis assez content. Deuxième game, c'est parti. On va dans le camp allemand, du coup, maintenant, contre les Américains. En tout cas, on va tenter de jouer le sniper. J'aimerais bien faire au moins un petit kill au sniper. Objectif de la vidéo, faire un petit kill au sniper. Ok, on a le contrôle de... Ah, je suis 6ème de la game pour l'instant. Ils sont sérieux, sans déconner. Ah, ça parle allemand, c'est absolument incroyable, je comprends rien. J'ai bien fait un effort, mais je suis pas allemand, j'ai pas fait allemand LV2, LV3, LV15 là. Je sais pas comment on parle en allemand, moi. Ok, on a un petit bâtiment. Oh, objectif de la vidéo rempli, je fais un kill au snipe.
Ouah, je me suis cassé les chevilles, frère. Je trouve la map et les graphismes absolument incroyables. Vraiment ça, les couleurs, t'as un petit lever au coucher de soleil, t'es dans un petit champ de lavande. Mais non, le mec il est en tracteur sans déconner. En pleine guerre, le mec s'est dit, ok, j'ai pris un tracteur les gars, j'arrive. Il y a des chars, des tanks, non, j'en ai rien à foutre moi, moi je suis en tracteur. Ok les gars, c'est parti, youhou, on part en road trip, on part en vacances. C'est un mec ça, non? Ok, petit kill. Putain, il m'a fait sursauter le con, non. Ok, on peut aller aux toilettes, bonjour. J'aimerais chier tranquille s'il vous plaît les gars. Ok, j'ai peur de montrer ma tête. Et voilà, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'il fait lui qui lui est passé qu'une serpillière? Allez, toi ça dégage. Toi aussi. Alors, c'est où la guerre? Oh là-bas, il y a du monde. Là-bas, il y a de l'ennemi. Ok, double kill. Non, dommage, il y en avait encore d'autres. Compliqué. Oh, la faucheuse, je gagne un petit trophée. Oh, il y a d'autres mecs, non? Ouh là là, je me suis pris une sale balle là. Ok, on s'est gavé. Je sens qu'on vient me chercher. C'est pas bien ce que je fais, je campe. Oh non, là tu m'as tué, dommage. Par contre, oh, je les ai enchaînés là. Je suis remonté 26-14, putain, incroyable. Allez les gars, je prends avec vous, c'est parti. Let's go faire une dinguerie. En face, il y a du monde. Hein. Oh, juste là. Oh non, dommage. Ok, il y a pas mal de monde à côté là. Il y a plein de medics. Si vous pouvez venir me sauver. Nice, oh, le boss, il me sauve. Merci, mec. Allez, je te réa. Putain, c'est vachement long quand t'es pas medic de réa un mec. Non, juste là. Il y a un ennemi. Ok. Il y en a encore un autre. Non, dommage. Putain, on était au cœur de l'action là. C'est incroyable. Oh, il avait quasiment plus de vie. Putain, je suis deg. C'est une victoire. 41-0, réapparition restante. C'est absolument incroyable. Nous avons fait... Enfin, j'ai fait du 33-17. Donc j'ai quasiment un ratio de 2. Putain, c'est absolument fou ça. Et je suis 13ème sur 31 de la partie. C'était une super game. C'est un jeu que... C'est cool. Je pense que je vais rejouer vachement à ce jeu. Quand Warzone, ça me saoule un peu pas. Je vais venir un peu ici sur Battlefield 5. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Virtual Ben. Over. Ouais, je fais gaffe, j'ai pas pété mon écran cette fois-ci.